Mon nom est Benoît Vachon. Bonjour. Mon sujet de mémoire, je fais un mémoire en anthropologie, c'était le cinéma documentaire de Pierre Perrault. J'ai étudié deux terrains cinématographiques, qui est Pour la suite du monde, qui est comme le premier film à avoir gagné à Cannes au Canada, au Québec. Donc un film quand même important dans l'histoire du Québec. J'ai étudié, pour comparer ça, La Bête lumineuse, qui est sortie 20 ans plus tard, en 1982. Donc un terrain pour la suite du monde qui s'est quand même très bien déroulé, où la représentation, l'éthique, le tournage, les protagonistes revendiquent le film. La Bête lumineuse, qui est un tournage qui était très difficile pour les protagonistes. Il y a eu beaucoup de révoltes, beaucoup d'inquiétudes, de peurs, qui n'ont pas nécessairement été pris en compte. Donc j'essaie de voir pourquoi dans un tournage ça s'est bien passé. Puis pourquoi dans un autre ça s'est mal passé. En gros, j'ai étudié la collaboration à l'intérieur d'un projet où on produit du savoir ensemble.